السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في إطار استعداد الامتحان الوطني أقترح عليكم هذا الموضوع الخاص بالأعداد العقدية المستوى الثانية بكالوريا. إذن وجدت بأنه واحد التمرين مهم يستحق المتابعة، ولهذا أنصحكم بإعادته والتركيز او عن مختلف الاسئله ديالو لانها تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني. إذن على بركه الله، الموضوع هو الان امامكم باللغه الفرنسيه وسنتعامل معه باللغه العربيه حتى يستفيد الجميع. إذن السؤال الاول، بان سؤال بديهي بين ان 3 بلس ايغاسين 3 او كاري، دونك فوالا او كاري ايغال ا 6 بلس 6 racine de 3, donc ça c'est au carré. Donc, il faut que résoudre donc l'équation z au carré plus 5 i moins racine de 3 z plus 4 moins 4 i racine de 3 égale à 0, dont le plan complexe rapporté à un repère orthonormé d'origine O, U, B. On considère les points d'affixe respectifs ZA et ZB et ZC. Montre que le triangle est OBC et isocèle et que l'angle OBOC égale à moins pi sur 2. Donc mettre ZB sous forme exponentielle et déduire que le point B appartient au cercle de centre O et de rayon 2. Placer le point A et construire le point BC, soit D le point d'affixe ZD égale à 1 moins I ZB. Montrer que le quadrilatère est un carré. Montrer que l'affixe de AB égale racine 3C ZC. Déduire que les points ABD sont alignés. Et enfin calculer l'aire du quadrilatère OADC. Alors vous remarquez bien que ce sont des questions très intéressantes. Donc je vous encourage de bien suivre cette vidéo et de le partager avec vos collègues. Alors on va passer maintenant à la réponse de ces exercices, de ces questions. Donc on a première question, c'est de vérifier que racine, donc on a 3 plus i racine de 3 au carré égale à 6 plus i. Donc on va, donc ça c'est quoi? C'est 3 au carré plus 2 fois 3 ça fait 6 i racine de 3. L'un des mots de la barre qui fait chier, donc on a 6 plus 6 i racine de 3. Donc c'est bien vérifié. Donc la question B, l'équation qu'on veut résoudre y est z au carré plus 5 moins i racine de 3 z plus 4 moins 4 i racine de 3, donc égale à 0. Donc pour résoudre cette équation, il suffit d'abord de déterminer z, le discriminant, donc delta, c'est à dire c'est 5 moins i racine de 3 au carré moins 4 fois 4 moins i racine de 3, soit disant c'est 25 moins 10 i racine de 3, moins 3 moins 16, plus 16 i racine de 3. Donc c'est 6 plus 6 i racine de 3, c'est-à-dire c'est 3 plus i racine de 3, حسب السؤال السابق. إذن وبالتالي يعني أن Z1، donc vous appliquez vos règles, donc c'est moins B, c'est-à-dire moins 5 plus I racine de 3, moins racine de delta, c'est-à-dire moins 3 moins I racine de 3 sur 2, c'est-à-dire ça donne moins 4, parce qu'on va simplifier bien sûr cela. Donc Z2 ça sera égal à moins 5 plus I racine de 3 plus 3 plus i racine de 3 sur 2, donc ça me donne moins 1 plus racine de 3. Donc voilà, donc les solutions sont moins 4 et moins 1 plus i racine de 3. Et dans ta ou n sous l mouel mais d'ailleurs adna, voilà, on considère les points A et B et C, on vous donne les affixes de chaque point, c'est-à-dire on vous donne Z A égale à moins 4 et on vous donne Z B égale à moins 1 plus et racine de 3, que vous remarquez bien sûr que sont les solutions déjà trouvées, et on vous donne Z C égale à moins I Z B. Alors première des choses,
montrer que OBC est isocèle. Donc, pour montrer qu'un triangle est isocèle, c'est-à-dire le triangle OBC, et bien sûr, il montre que l'angle que fait OB avec OC, c'est π sur 2. Alors, si vous déterminez le module de OB, donc le module de OB, c'est-à-dire le module de ZB, donc c'est 1 plus 3, c'est 4, racine de 4, c'est 2. Donc, si vous cherchez ZC, parce que ZC, c'est quoi? C'est moins I, ZB, c'est-à-dire moins I, fois moins 1, plus I racine de 3. Donc, ça vous donne moins I, voilà. Moins I fois moins 1, c'est plus I. Et I fois I, c'est moins 1. Avec le moins, ça donne plus racine de 3. Donc, vous remarquez bien sûr que le module de ZC, qui est égal à OC, c'est le même, donc c'est 2. Autrement dit, vous aurez donc OB égale à OC. Donc, vous avez un triangle isocèle en O. D'autre part, il me reste de chercher le zawiya OB OC. Et dans cette zawiya, il y a l'umda, c'est-à-dire l'argument de ZC sur ZB. ZC est OC, ZB est OB. Donc, c'est quoi? C'est l'argument de ZB. ZC, c'est quoi? C'est moins I ZB, d'après le renoncé. ZB, donc c'est quoi? Ça reste argument de moins I. Vous savez que l'argument d'un produit, c'est comme si l'argument de moins 1 fois l'argument de I. Donc plus argument de I. J'applique l'khasa SDL, l'argument de ZZ'. Mais N de moins 1, c'est négatif. Donc l'argument de moins 1, c'est pi. Il me reste l'argument de I, c'est pi sur 2. Donc ça me donne 3 pi sur 2, qui est équivalent même à moins pi sur 2 modulo 2 pi. Donc on a bien OB est perpendiculaire à OC, ce qui prouve que OBC donc est un triangle isocèle rectangle, bien sûr toujours en haut. Voilà la réponse à cette question. Donc on va passer maintenant à la question suivante. Écrire ou bien mettre ZB sous forme exponentielle. Voilà. C'est-à-dire, on a ZB d'abord. Toujours, je vais l'écrire. C'est moins 1 plus I racine de 3. Le module d'Yelha roi 2. Donc, je peux écrire, voilà, moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Que je peux écrire I2, le module. Et ça n'est autre que cos de moins pi, de cos de 2 pi sur 3. Donc, je peux écrire, donc, l'argument de roi 2 pi sur 3, parce que cos de 2 pi sur 3, c'est moins 1 demi, et sinus de 2 pi sur 3, c'est racine 3 sur 2. Donc ça, c'est la forme trigonométrique, mais la forme exponentielle, voilà, 2 i pi sur 3. Donc on va écrire, voilà, zp égale à 2 exponentielle de 2 i pi sur 3. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que b, il appartient au cercle allège, les n a le module de zp, n'est autre que 2, bien sûr. Donc ça veut dire que B, il appartient au cercle de centre O et de rayon 2. Et donc voilà, c'est placer le point A et construire les points B et C. Donc on va faire le question pour vous dire comment vous faites la construction. On va faire le question soit D d'affixe Z D égale 1 moins I fois ZB. Et donc, sous Omega, montrer que le quadrilatère OCDB est un carré. Et donc, je vais vous dire que le quadrilatère, voilà, est un carré. Voilà, OCDB est un carré. Xenbino BNN 4 côtés bien sûr qui sont égales. Alors, on a
OC, c'est quoi? C'est ZC, c'est-à-dire c'est racine de 3 plus I. On a OB, c'est quoi? C'est moins 1 plus I racine de 3. Donc vous remarquez bien que le module de OC, c'est bien aussi le module de OB qui est égal à 2. Donc c'est-à-dire on a donc OC égal à OB. D'autre part, on a l'artilar BD maintenant. Voilà, si je cherche BD, c'est quoi BD? Donc c'est ZD moins ZB, c'est-à-dire donc ZBD. D'après la formule, il y a 1 moins I fois ZB, c'est-à-dire il y a ZB moins IZB moins ZB. Donc ça reste moins IZB. Donc c'est moins I fois ZB, il y a moins 1 plus I racine de 3. Donc ça me donne racine de 3 plus I. Voilà BD. Donc la HDBNA BD. Donc BD et OC. Donc la HDBNA BD rahia OC. Donc adna BD égale OC. Les quand BD égale à OC, ça veut dire que OCD DB est un parallélogramme. Il y a une fois où vous avez un parallélogramme. Mais j'ai une autre. Donc, d'autre part, on a déjà démontré que OB est perpendiculaire à OC. Donc, ça veut dire que le quadrilatère OCDB est un carré. Il est un carré. تعقلوا على هذه الامور هذه او باش التعليلات اللي باش تبين بانه عندك واحد الكواتريلاتير ايتان كاري. دونك فوالا نمشيو للسؤال الموالي. مونتري كو لا فيكس دو ا بي ايغال راسين دو 3 زد سي. دونك توجور فوالا ا بارتير دو لا فيكس. شنو هو لا فيكس دابور ديال ا بي؟ Ce n'est autre que ZB moins ZA. Or, ZB, c'est moins 1 plus I racine de 3. Moins ZA, ça devient plus 4. Donc, c'est 3 plus I racine de 3. D'autre part, maintenant, racine de 3 ZC, c'est quoi? C'est racine de 3 fois racine de 3 plus I. Donc, ça me donne 3 plus I racine de 3. Et d'entre les deux, ils sont égales. Donc, la fixe de AB est bien égale à racine de 3 ZC. Donc, voilà, on a répondu à cette question. Donc, on passe maintenant à la question C. Donc, la question C, on vous demande de déduire que les points A, B, D et, A, B et D sont pas aligné. Alors, toujours, qu'est-ce qu'on a? On a déjà montré que AB égale racine de 3 ZC. D'autre part, si vous cherchez AD, donc c'est ZD moins ZA, c'est-à-dire 1 moins I fois ZB moins ZA. Donc, si je fais mon... je remplace, alors ZB c'est moins 1 plus I racine de 3 moins ZA, ça devient plus 4. Donc ça va me donner 3 plus racine de 3 plus I racine de 3 plus I racine de 3 plus I. Donc si je mets racine de 3 en facteur, ça me donne racine de 3 plus 1 plus I fois racine de 3 plus 1. Donc ça donne racine de 3 plus 1 en facteur de racine de 3 plus I. Alors vous remarquez bien, ça n'est autre que ZC, donc c'est racine de 3 plus 1 fois ZC. Donc on, d'après cette relation, le fait que AB égale à racine de 3 ZC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ZC n'est autre que AB que je divise par racine de 3. Alors, qu'est-ce que ça devient AD? Donc, ça devient ses racines de 3 plus 1.
que je multiplie par ZC, c'est-à-dire AB sur racine de 3. Donc, ou bien je peux l'écrire de la manière suivante. Voilà, fois AB. Et cette relation exprime bien que les points A, D et B sont alignés. Aïe, noqat mustaqimia. Voilà. إذن جاوبنا على هذا السؤال. إذا غنشوفوا السؤال المتبقي هو ديدوير كو كالكولي لير دي كوادريلاتير او ا دي سي. الوغ باش نفهمكم هذا الامر هذا غادي دابا نرجع معكم لا كونستركسيون ديال هاد لي بوين. إذن غنعطيكم دي زيدي. دونك il faut tracer un cercle de rayon 2. دونك voilà, ça c'est 1. Et ça, c'est 2. Alors, la première chose, comment on va construire les points A. Donc, les points A, les dates fixes ZA égale à moins 4. Donc, c'est un élément, c'est un réel. Donc, c'est facile de le construire. Donc, il me reste le point B. Donc, d'après l'expression de ZB, donc vous avez ZB égale à quoi? Donc ZB, je vais l'écrire là pour vous le montrer. Donc ZB égale à moins 1 plus I racine de 3. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la partie réelle de ZB qui est égale à moins 1. Donc voilà, moins 1. Et puisque B, on a montré qu'il appartient au cercle de rayon 2, c'est-à-dire que la coupure de la droite verticale qui passe par moins 1 et le cercle, ça va me donner le point B. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le point ZC. Donc, on a déjà montré que ZC égale à racine de 3 plus I. Alors, je vais chercher, c'est la plus simple, l'imaginaire de C est égal à 1. Alors, puisque C il appartient aussi au cercle de rayon 2, et sa partie imaginaire CI, donc voilà la coupure de cette droite horizontale avec le cercle, va me permettre de construire le point C. Alors, voilà, on a bien construit. Donc, il me reste le point D. Donc, le point D, on a montré que COCBD doit être un carré. Donc, s'il s'agit d'un carré, donc il suffit tout simplement de tracer la perpendiculaire à la droite AB. Nous sommes oubliés bien sûr que les points A, B et C sont alignés, donc ils sont sur la même droite. Donc en traçant la perpendiculaire à AB, donc ça va me permettre de construire le point D. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste maintenant de chercher la surface ou bien l'aire du trapèze quadrilatère O, A, D, C. O, A, D, C. Donc on va maintenant passer à la détermination de l'aire. Vous savez que l'aire d'un trapèze n'est autre que la petite yani al-qaïda al-sughra zaïd al-qaïda al-kubra fi al-irtifa li huwa dc مقسوم كل شيء مقسوم على 2. هذه القاعده تنظر بان كل شيء على خط. اذا غنطبقوها حرفيا, اذا غنقولوا بان l'air du trapèze OADC n'est autre que la partie qaïda sughra liée au C, zaïd qaïda al-kubra liée à D, multiplié par l'irtifa liée à CD, que je divise par 2. Donc il suffit de terminer les expressions liées au C. Donc OC c'est quoi? C'est le module de racine de 3 plus I qui est égal à 2. Donc bnisbal à D, donc c'est quoi? C'est racine de 3 plus 1 sur racine de 3, le module de AB. Or, AB c'est quoi? Donc c'est ZB moins ZA, c'est-à-dire moins 1 plus I racine 3 plus 4. Donc ça me donne 3 plus I racine de 3. Ça veut dire que le module de AB n'est autre que racine de 9 plus 3, ça fait 12. Donc c'est 2 racines de 3. Alors, finalement, il me reste donc AD. Donc on a déterminé, donc ça veut dire que AD égale à racine de 3
plus 1 sur racine de 3, que je multiplie par le module de AB qui est égal à 2 racine de 3, soit disons 2 fois racine de 3 plus 1. Donc voilà, il me reste finalement CD. Je sais que CD c'est quoi? C'est ZD moins ZC, c'est-à-dire moins 1 plus I racine de 3 plus I plus racine de 3 moins racine de 3 moins I. Donc c'est moins 1 plus I racine de 3. Autrement dit, CD, son module, n'est autre que le module de moins 1 plus racine de 3 qui est égal à 2. Finalement, SOADC, donc il suffit de remplacer, c'est-à-dire 2 plus 2 fois racine de 3 plus 1, le tout sur 2, que je multiplie par 2. Donc voilà, donc s'il me reste 2 plus 2, ça fait 4, donc c'est 4 plus 2 racine de 3, ou bien j'écris 2 fois 2 plus racine de 3. Donc voilà l'aire du quadrilatère OADC. Donc voilà الجواب النهائي على هذا التمرين. إذا فهو كما قلت تمرين مهم، حاولوا تخدموه مزيان وتركزوا على هذه الأمور اللي هي تتعلق بالإنشاء نقاط معينة وكذلك مساحات ديال رباعي أو مثلث أو غير ذلك. إذا أشكركم على انتباهكم، أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.